Est-ce que tu vas bien? Moi, je vais très bien. Salut tout le monde, c'est Pegelman et attention. Pomba, comment allez-vous? Moi, oula, pardon Pomba. Moi, ça va plus que bien. Je suis heureux tout simplement parce que on est là, Pomba. On est là, on est là. Tout simplement pour vous annoncer, enfin, je suis là pour vous annoncer Pomba aussi, hein, parce qu'il fait office de distributeur de cadeaux. Hein. Donc il faut être gentil avec Pomba parce que c'est grâce à lui, hein, c'est grâce à lui qu'il y aura beaucoup de cadeaux à gagner pour ce Pagan tournoi numéro 2. Hein. Je regarde le deuxième écran, c'est pour ça que je regarde pas la caméra. Hein. On se retrouve pour, comme j'avais annoncé sur Twitter, comme j'avais annoncé sur Facebook, après avoir parcouru les commentaires de la vidéo, le deuxième Pagan tournoi, quel format? Qui a fait un bon petit nombre de commentaires, où je suis très, vraiment très content, parce que vous avez répondu présent pour que je fasse un deuxième Pagan tournoi, parce que j'ai envie de faire un deuxième Pagan tournoi un an après, je dirais, le premier, où Ruben, hein, Ruben avait gagné le format 1v1, où il avait gagné une souris AVOC, hein, de couleur Master, un tapis Power RX de couleur Master aussi, le deuxième avait gagné Kingslayer, avait aussi gagné un tapis et le reste avait gagné tout simplement, je me gratte l'oreille, avait gagné des skins dédicacés par moi et tout ça, enfin bref, une grosse majorité des participants avaient des lots. Et pour cette deuxième édition, hein, comme tout le monde dans les commentaires veut du 5v5, bah, j'ai décidé de faire du 5v5 parce que c'est le format, je dirais, le plus intéressant à regarder, le plus intéressant à commenter et le plus intéressant à suivre, mais je l'ai déjà dit avant. Pourquoi du 5v5? Parce que comme ça, les plus débutants vont pouvoir apprendre sur le jeu, les plus débutants vont pouvoir progresser en regardant des gens un peu plus expérimentés jouer. Notamment, Ruben va remettre en titre son jeu, hein, et en équipe. Donc, il fait office, je dirais, de VIP, ça sera l'équipe à battre, parce que Ruben est directement qualifié et il a le choix, en fait, de choisir 4 coéquipiers à lui, donc il a déjà une équipe. Donc Ruben sera qualifié avec son équipe d'office pour ce Pagan tournoi. Donc je sélectionnerai encore 3 autres équipes, parce que on va faire 4 équipes en tout. 4 équipes c'est déjà pas mal, parce que un match c'est super long, et en plus si c'est 4 bonnes équipes, c'est encore mieux, parce qu'on risque d'avoir des matchs, je dirais, assez explosifs. Donc du 5v5, 4 équipes, Ruben qui remet en titre son jeu, hein, et j'espère que Ruben qui arrivera au bout cette fois, parce que là c'est une autre paire de manches, c'est pas du 1v1, c'est pas toi qui décides, c'est ton équipe qui décide d'aller au bout tous ensemble. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les plus débutants vont pouvoir progresser en regardant les matchs. Et aussi pourquoi c'est intéressant? Parce que qui dit 4 équipes dit 2 matchs en même temps. 2 matchs en même temps, pardon. Et donc, moi, je me suis entouré de bonnes petites personnes pour pouvoir vous commenter ce merveilleux tournoi. J'ai demandé l'aide de Pegelman, donc de moi-même, de Neometrix. Donc, je suis vraiment très content qu'il participe en tant que commentateur pour ce Pegelman tournoi. Parce qu'il s'est, je dirais, dévoué avec une certaine admiration pour Counter-Strike, parce que il aime beaucoup ce jeu et il retrouve des bonnes sensations sur ce jeu. C'est un commentateur, c'est un joueur Battlefield 4-3. Donc il a une bonne expérience dans le shootcast. Et il a envie de se lancer dans l'aventure CSGO. Et qui sera là pour l'épauler? Bah, CND, de CND et Manu, qui est là volontiers aussi, comme je l'avais dit, hein, dans la vidéo annonce. Donc, des matchs seront commentés par CND et Neometrix. Et le deuxième match commenté par Pegelman et Manu. Donc, en gros, c'est Team LDLC, parce que tous les trois font partie de Team LDLC.
qui vont commenter le Pagan Tournoi numéro 2. Ça sera tout simplement, je pense, unique pour un format, je dirais, YouTube, d'avoir à fait appel. Bon, Manu, je le connais très très bien, Neometrix, j'ai appris à le connaître, et CND aussi, on avait fait l'interview à l'appareil Mustwick de CND et Manu, et on avait pu passer un très très bon moment. Neometrix, j'apprends à le connaître, et c'est vraiment quelqu'un qui est ouvert à des projets, parce que ça, c'est un bon petit projet. Format 5v5 et donc format, je dirais, professionnel, hein, format habituel. On va, je vais me caler en fait sur les Star Ladders, hein, donc, qui ont eu lieu ce week-end en Ukraine, où il y avait 4 équipes justement. Et c'était un format BO3 tout le long du tournoi. Pour que le tournoi ne dure pas 2 jours, mais un jour entier, j'ai décidé de faire pour le premier tour du BO1. Donc celui qui gagne la première map bah, passe au tour suivant et le perdant passe en loser bracket. Donc ça se présentera exactement comme ça. Hein. Je vous montrerai en plus un exemple en plus un peu plus concret parce que je ferai appel à un petit site internet qui permet de gérer les tournois, le même site qui m'a permis de gérer le Pagan Tournoi numéro 1. Donc imaginons hein, team là par exemple dans le winner bracket. Team Ruben, team numéro 2, team numéro 3, team numéro 4. Donc là, ça sera du BO1, donc pas sur deux maps, hein, pas sur le meilleur des trois cartes, mais le meilleur sur une carte. Donc dès d'entrée, il va falloir être chaud patate, parce que si vous perdez hein, le premier match, vous êtes directement balancé en loser bracket. Donc le loser bracket, c'est aussi du BO1, qui fait que si vous perdez, vous êtes jarté du tournoi et vous finissez bah, bien entendu quatrième du tournoi en bas du podium. Donc mais bien entendu vous aurez des petits cadeaux même si vous finissez quatrième, et ça on reviendra un peu plus tard sur quoi c'est les petits cadeaux parce que je pense que vous allez être content. Donc si vous perdez en loser bracket vous êtes éliminé, et si vous gagnez vous passez en finale du loser bracket. En attendant, le finaliste, enfin le perdant de la finale du winner bracket. Donc imaginons, Team Ruben gagne, Team 2 gagne, donc Team Ruben contre Team 2. Team Ruben gagne et passe en grande finale. La Team 2 passe en finale du loser bracket et s'affronte pour la grande finale où il y a masse choses à gagner. Ça je vous expliquerai après, je parle trop, hein. je parle beaucoup, je sais, j'adore Counter-Strike, j'adore vous présenter ça. Enfin bref, si le finaliste du loser bracket gagne, il passe en grande finale. Si le perdant, bah, bien entendu, de la finale loser bracket perd, bah, fini, troisième de la compétition, bien entendu, avec des cadeaux. Vu qu'on est 5, donc il y a 5 joueurs, ça fait 5 cadeaux. 5 joueurs. 5 cadeaux, 5 joueurs, 5 cadeaux, 5 joueurs, 5 cadeaux. Ça fait beaucoup de cadeaux. Hein. Donc ça fait beaucoup de choses pour 5 joueurs. Pour 5, 10, 20, 15, 20, beaucoup de monde. Enfin bref. Donc, les finales du loser et les finales du winner se passent en BO3. Pour le map pool, donc j'ai décidé tout simplement le map pool officiel de Babel. Donc ça sera DOS2. Nuke, Inferno, Mirage, Cache, Overpass, Cobblestone. Donc les maps officielles de Valve. Ensuite, comment ça sera organisé? Donc là, je vais lire ma petite fiche. Pour les serveurs CSGO, bah, ils seront fournis par moi-même. Donc il y aura 2 serveurs de toute façon pour chaque match. Hein, vu qu'il y a 4 équipes. Hein. Donc ils seront fournis par moi-même. Et si j'arrive à me dégoter d'autres serveurs pour que ça se déroule un peu plus vite. Donc ça, c'est encore mieux. Donc, ils seront configurés par le plugin eBot. Donc, comme on voit à haut niveau. Donc, il suffira tout simplement de taper Ready. Il y aura bien entendu un Knife Round à chaque début de map qui décidera en fait du choix du side. Donc ça, le Knife Round, c'est l'endroit, le moment, je dirais, fatidique hein, pour assurer un side CT. Après... tout simplement, je vais glisser ça ici parce que c'est le règlement.
On passera en revue. Donc, il y aura un Knife Round, comme d'habitude. Ensuite, les équipes, elles seront invitées sur un TS fourni par moi-même. Donc, je vais organiser un TS où tout le monde sera là. Donc, les casters et les quatre équipes. Comme ça, je pourrai aller dire bonjour à chacun d'entre vous, hein, et vous motiver tous pour comme ça vous avez la niaque, vous avez la motivation pour gagner ce Pegan tournoi. Ah, il y a attention, 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 on cache ça, hein. On cache ça, l'Elo a gagné, hein. Enfin bref, le petit fail, mais bon, c'est pas grave, c'est du direct, c'est du Pegan direct. Donc, les serveurs seront configurés par un e-bot. Et là, hein, on passe, je dirais, on passe au plus gros, les lots à gagner. Hein. Les lots à gagner. Donc, ils sont assez gros, hein, je dirais. Donc, sachant que je fais partie de la structure Spirit of Champion, hein, si vous n'êtes pas au courant, donc j'ai une équipe CSGO. Bon, elle est un peu en mode remaniement, hein, parce que, comme dans toute équipe, il y a des remaniements à faire. Comme vous savez, je fais partie de l'équipe Spirit of Champion et on a un partenaire qui s'appelle M-Engine Server qui fournira en fait un mois de serveur, voire plus, hein, s'ils ont envie. Mais je vais essayer de négocier pour plus. Un mois, voire plus. Un serveur CSGO à gagner pour le gagnant. Mais attention, c'est pas tout, hein. Donc on remercie M-Engine Server qui est une entreprise qui justement fournit des hébergements web, serveurs TeamSpeak et des serveurs dédiés pour chacun de vos jeux. Et vu qu'on fait du CSGO, on a envie d'avoir un serveur privé CSGO pour le gagnant. Et vu qu'il n'y a pas que ça à gagner, hein, à savoir que vous savez tous que je suis stuffed par Cooler Master. Bah, j'ai décidé, en fait, avec, je dirais, mon contact, hein, Cooler Master France, de faire gagner, justement, faire gagner quoi? Comme c'est indiqué ici, attention, attention, ah blablabla. Qu'est-ce qu'on fait sur Google? Hop, on tape ça. Un clavier Cooler Master, tout simplement. Un des tout derniers claviers Cooler Master. Donc, ça sera pour le gagnant du tournoi. Un serveur plus 5 claviers. Un clavier pour chaque joueur. Donc, c'est un bon petit clavier mécanique. Hein, donc là, je pense que ça va vous motiver à aller jusqu'au bout. Parce que je vous ai dit que je ferai un tournoi un peu mieux. Hein, tout simplement. Parce que ça me fait plaisir de vous faire ce genre de cadeau. Donc, Cooler Master est au courant que je fais un Pagan tournoi. Cooler Master est au courant qu'on va faire péter l'Audimat, hein, j'espère. Et Cooler Master est content de m'aider. Donc, c'est du donnant-donnant parce que voilà, j'ai fait des reviews pour eux sur du matériel que j'apprécie énormément, sur du matériel que je vous recommande et que j'ai envie que les viewers, que les gagnants testent parce que. Voilà, c'est du matos que j'ai testé, c'est du matos que j'ai envie de vous faire gagner, et c'est du matos qui, je trouve, de très bonne qualité. Donc ça, c'est pour le gagnant du premier Pegum tournoi en 5v5. Donc ça fait beaucoup, ça fait déjà beaucoup, parce que le gagnant du Pegum tournoi gagne quoi? Un serveur, 12 slots M-Engine et 5 claviers Cooler Master. Quickfire TK, hein, j'avais oublié le nom de vous dire le nom, qui est un très bon clavier mécanique. Ensuite, pour le deuxième, alors là, on va faire un petit basculement in-game, hop, touc touc touc, la la la, plap plap, attention, basculement in-game, basculement in-game. Donc, alors je dépose, je dépose, je dépose, je dépose, hop. Oh, des skins! Alors, pour que tout le monde ne reparte pas les mains vides, pour le deuxième, je ferai gagner 5, pour les 5, justement, M4 A4 Desert Strike, qui ont une valeur de 10 € sur le market, ce qui est pas mal,
Donc en plus c'est une bonne M4 et en plus c'est une M4 qui a une bonne value sur CSGO Launch. Mais après, à vos risques et périls si vous avez envie de la parier hein, pour la reperdre ensuite. Mais bon, ça me fait plaisir de mettre de ma poche, hein, là j'ai mis de ma poche carrément, ces 5 skins pour les faire gagner. Après, il faut dire que je mets aussi de ma poche toute ma volonté. Ensuite, pour le troisième, 5 bons petits Glock. Hein, parce que le Glock, hein, c'est une bonne arme de GR pour les terreaux. Et c'est une arme, je dirais, un peu OP. Et pour le quatrième, ça c'est une idée de Neometrix, pour pas qu'il reparte les mains vides, le lot de compensation, 5 stickers des gagnants. DESL Cologne 2014, Ninja in Pyjama. Donc c'est des stickers, bien entendu, soit à remettre en jeu, soit à appliquer sur une arme, hein, disons ici, n'importe où, soit à appliquer sur une arme favorite. On est bien d'accord, ça fait des lots pour tout le monde, et ça fait un gros lot pour le premier, parce que 5 claviers et un serveur, bah, ça fait de quoi s'armer pour s'entraîner à CSGO. Alors là, je remets mes petites mèches de côté. On va repasser. Elles sont vraiment jolies. Hein. Même moi, je les ai même pas, ces armes-là. Pour vous dire. À quel point vous êtes chanceux. Hein. On va repasser en mode bureau. Avec, hop, tac, tac, tac. Autre jeu. Donc, le Pagan Tournoi. On récapitule. C'est du 5v5. 4 équipes. L'équipe de Ruben automatiquement qualifiée, parce que c'était le vainqueur du Pagan Tournoi, donc c'est le gros VIP à abattre, qui sera casté par Neometrix, Manu, CND et moi-même sur nos chaînes respectives, Twitch. Cooler Master nous fournit 5 claviers à gagner, M Engine nous fournit un serveur CSGO 12 slots à gagner. Qui est partenaire de qui? De ma structure Spirit of Champion. Donc, j'ai fait une petite simulation de l'arbre qui sera utilisé hein, dans le Pagan Tournoi. Donc là, j'ai mis les teams. Donc, best of one pour les demi-finales. Hein, c'est le premier tour. La team 1 passera en finale si elle gagne. Donc là, ça sera du BO3. Ensuite, il y a le loser bracket, comme je vous l'ai expliqué avant. Le gagnant du loser bracket passe directement en grande finale ici. Et là, c'est du gros match, c'est du BO3. C'est tout simplement le meilleur qui gagne. Donc le système de veto, hein, ça se fera sur le TS, sur le map pool officiel. Donc chacun veto ses propres maps et décidera tout simplement de jouer sur la map à laquelle il se trouve le plus fort. Donc, moi, je pense honnêtement que j'ai dit le maximum, j'ai dit le plus gros, j'ai dit l'essentiel. Bien entendu, il y aura des choses qui vont se rajouter. Bien entendu, ça, c'est la description. Hein, c'est la description de cette vidéo-là. Donc, je suis heureux, sincèrement, je suis vraiment très content de lancer les inscriptions du Pagan Tournoi officiellement. Donc, j'ai oublié de dire la date. Oh mon Dieu, j'ai oublié de dire la date. La date, ça se passera le 28 septembre. L'idéal, c'est de faire ça un dimanche. Hein, un dimanche, comme ça, tout le monde est libre. Et à quelle heure à partir de 18h, je commence à ramener tout le monde. Et à 18h30, on lance les matchs. Et après, bon, stream, on fera le tournus sur Twitter, sur Facebook, partout. Hein. N'hésitez pas à ramener du monde, hein, parce que j'ai vraiment envie que ça marche bien. J'ai vraiment envie de continuer à faire ce genre de Pagan Tournoi, parce que pourquoi pas faire avec plus d'équipes à l'avenir. Donc disons que ça, c'est fait office de test. Hein. Ça fait déjà 18 minutes que je tourne cette vidéo. Et 18 minutes que je parle un peu dans le vent. Enfin, dans le vent, tout seul. Hein. Enfin, à vous. Donc, 18h, dimanche. 28 septembre, 18h, préparez-vous, les sélectionnez. La semaine prochaine, je ferai une autre vidéo pour choisir tout simplement les participants. Donc je choisirai au hasard, je dirais lui, hop. En fonction, bien entendu, des heures de jeu. Voilà, je pense qu'il y a vraiment
des gros mix qui vont s'inscrire et des grosses équipes qui vont vouloir gagner. Parce que si vous avez 200-300 heures de jeu, si c'est pour vous prendre un 16-0, voilà, c'est pas très gratifiant pour vous. Après, si vous avez envie de vous faire éclater, voilà. Mais bon, au moins vous apprenez à vous faire éclater. Mais je pense que je prendrai, histoire qu'il y ait des bons matchs à suivre. On peut pas qu'il y ait des longs matchs, sinon c'est pas intéressant à regarder. Des 16-0, c'est pas intéressant à regarder. Des gens qui n'ont pas énormément d'expérience en compétitive, c'est pas très intéressant à regarder. C'est un peu méchant ce que je dis, mais il faut être un peu réaliste. Si vous avez envie de que ce format soit un peu plus, je dirais, accessible à l'avenir, pour qu'il y ait plus d'équipes, donc plus d'équipes que soient débutants pour participer, il faut que je fasse un petit test avec des bonnes équipes. Ce qui est normal, ce qui est logique et ce qui est compréhensible. Donc, je choisirai parmi les commentaires trois équipes qui je pense, proposera du bon spectacle. Je vous dis honnêtement, j'ai déjà reçu des propositions d'équipes, des propositions de mix très intéressantes. Et après, je regarde, je trie, je fais le tri et Pumba se portera garant pour juger et de sélectionner les meilleurs éléments pour vous proposer un spectacle assez intéressant à regarder. Donc, moi, je pense que j'ai tout dit. Je remercie sincèrement CMD, Manu, Neometrix, M-Engine qui nous fournira un serveur pour le gagnant et aussi Cooler Master qui nous fournira je l'espère du plus profond de mon cœur 5 claviers Quickfire. S'ils peuvent pas, ben je trouverai autre chose pour vous faire plaisir, mais je pense qu'honnêtement ça sera le cas. Ouh. Donc voilà, donc merci mon petit Neometrix, merci mon grand Manu, merci CLD, hein, moi aussi je commence plus à avoir de cheveux. Merci Cooler Master France de me faire confiance, parce que ils vont encore m'envoyer du matos pour que je fasse des reviews toujours de bonne qualité, hein, parce que j'aime bien que ça, les choses soient carrées comme ça, que les choses soient bien faites. Vous le savez, pour tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, vous savez que j'aime bien les choses bien faites et bien expliquées. M-Engine, hein, qui se porte garant pour nous offrir aux gagnants un serveur CSGO. Ma structure, bah, justement, Spirit of Champion, hein, qui est en train de tout déchirer sur FIFA. Hein, j'espère qu'ils vont certainement aller très loin à l'ESWC. Sur FIFA, parce que ils ont fait une excellente saison sur FIFA, hein. Donc voilà, bien entendu Vacarme de nous tenir au courant de toute l'actualité CSGO, parce que c'est un site que j'aime bien visiter. Après il y a des pour et des contre, comme dans tout site internet. Donc voilà, je suis là. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre aux questions. Ne me spammez pas, hein, ça ne sert à rien de me spammer à mort, parce que je suis avec deux mains, je suis avec un cerveau et j'ai aussi une vie à côté. Hein. Donc, moi je vous dis, let's go pour les inscriptions du Pagan Tournoi. Et c'était Pagan Man et Pumba. Et merci encore pour tout le soutien que vous apportez à ce que je fais sur internet. Allez, ciao tout le monde. Garantie constructeur.